Est-ce que ce ne serait pas le moment parfait pour un petit tarot thé? Je pense. Hey, salut, bienvenue dans cette vidéo du tarot thé numéro je ne sais plus combien. Tarot thé édition automne 2021. Alors, il était temps que je la fasse parce qu'on est aujourd'hui le 10 décembre au moment où je filme cette vidéo. Je dois te dire que dehors, c'est plus du tout l'automne, c'est le cataclysme de l'hiver qui s'est installé par ici. Mais du coup, je vais te faire cette édition de l'automne 2021 du tarot. Je sais que c'est quelque chose que tu attends toujours avec énormément d'impatience. Et moi, c'est quelque chose que j'adore filmer. Donc, tout le monde est content. Mais d'abord, laisse-moi te parler du breuvage qui va m'accompagner pendant cette vidéo. Dans cette magnifique tasse en porcelaine autrichienne ramenée par mon frère et sa merveilleuse fiancée de leur trip en Autriche, de leur dernier trip en Autriche, je ne sais plus quand. Mais j'adore cette superbe tasse. Et j'ai tout simplement fait infuser de la menthe poivrée aujourd'hui parce que c'est l'infusion qui me fait le plus de bien en ce moment. Voilà, la menthe pour l'instant, je ne jure que par ça. Alors c'est fumant parce que ça... Oui, c'est un peu trop chaud. Je vais le laisser sur le côté, mais ça sent bon. Ça sent l'hiver pour moi, la menthe, donc voilà, voilà. Et tu sais que dans mes épisodes de tarotée, je suis généralement accompagnée d'une petite friandise. Alors là, c'est un petit sablé de Noël fait maison par moi et ma petite fille, par moi et Sacha. Alors je te montre parce qu'ils sont quand même trop mignons ceux qu'on a fait cette année. T'as vu, avec un beau glaçage royal au citron, et ce sont des sablés à la cannelle et à l'orange. Il faut que je te dise un truc, ce sont les meilleurs sablés du monde qu'on a fait cette année, ils sont trop trop bons. Noël en une bouchée. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on papote tarot. Je vais ouvrir le bal de ce taroté avec le dernier tarot que j'ai acheté. Je pense que cette année, j'ai doublé ma collection de tarot. Ça me rend très heureuse, donc je m'en fous complètement. Le dernier tarot que j'ai acheté, c'est un tarot que je pensais pas acheter à la base. Parce que déjà il est assez onéreux et aussi parce que de prime abord je n'avais pas conscience du travail en fait qu'il y avait derrière ce tarot et de la qualité de l'objet etc. Ce qui justifie complètement son prix, on est d'accord. Mais j'ai fini par craquer et la claque quand je l'ai reçu, je te parle donc du True Black Tarot. Déjà... c'est un objet, l'épaisseur du jeu, hein, t'as vu ça? C'est pas mal. C'est un objet magnifique, d'accord? La boîte est cartonnée, alors, ça doit pas être d'un solide monstre, hein, c'est-à-dire que c'est pas plastifié, mais c'est pas mat non plus. En fait, je pense que c'est vraiment le carton brut, mais c'est tellement beau. Oh, regarde-moi ça. C'est magnifique. Alors, quand tu ouvres ce tarot, tu as « It is only in darkness that we see the stars ». Et ça, c'est une phrase avec laquelle je résonne énormément. Je sais pas si je t'ai montré en vidéo déjà, mais il n'y a pas longtemps, je me suis fait un tatouage Nox et Lumos, évidemment en référence à Poudlard et au château. Mais c'est vraiment quelque chose avec lequel je résonne très fort, ce côté lumière dans l'ombre. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça que je veux dire. Et en fait, donc t'as ce magnifique petit livret là, je ne l'ai pas encore parcouru. Mais ce que j'aime passionnément dans ce jeu... En fait, c'est que je pense que c'est le jeu qui incarne le plus ce message-là. C'est-à-dire la lumière dans l'obscurité. Alors, le dos, est, on voit super bien là le reflet à la caméra. C'est magnifique, hein. Mais alors, regarde, on dirait, en fait... Oups, attends. Que serait un taroté sans des cartes qui tombent? Littéralement, on dirait... qu'on a allumé la lumière dans la carte. Je sais pas trop comment t'expliquer. On dirait que tout se passe dans l'obscurité totale et que l'élément qui est en lumière on dirait qu'il y a de la lumière, de la vraie lumière. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et j'ai jamais eu une qualité de carte comme ça. Je sais pas du tout c'est quoi ce carton. C'est pas du plastique. Les reflets sont... Mais regarde-moi ça!
C'est quoi cette carte? Ah oui, ça c'est la carte, ça s'appelle Ainant. Je pense que c'est une carte en plus, je sais pas trop. Je me suis pas encore vraiment bien penchée sur, sur la structure du jeu, etc. Mais regarde, regarde sur cette carte-là comme on voit la lumière. T'as vu ça? Alors là, je me suis pris une putain de claque. Je dois pas te mentir, quand j'ai eu ce jeu entre les mains, il est... c'est un bijou. Vraiment, c'est un cadeau à se faire. Alors oui, je sais. C'est un vrai cadeau à se faire. C'est un cadeau très cher. Il va bientôt, tout bientôt, être disponible sur la boutique du Roi de Coupe en restock. Si c'est pas déjà fait, Nicolas, encore une fois, tu passes par là, je sais. Corrige-moi. C'est genre, je regrette pas du tout. Mais je pense que j'ai toujours cette tendance en décembre, janvier, à utiliser des tarots lumineux. Quand l'hiver arrive très fort et que les fêtes sont passées, généralement après Noël, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin d'appeler la lumière. Donc fin décembre et janvier-février sont les mois pour moi les plus compliqués de l'année parce que j'ai besoin de luminosité très fort. Et là, en fait, c'est incroyable, mais je pense que c'est le trou black. Donc a priori, on dirait pas hein, que c'est un tarot lumineux. Mais cette espèce de lumière dans la noirceur, c'est le tarot d'hiver, mais par excellence. C'est le tarot d'hiver par excellence. Enfin, je suis très très impatiente de regarder ce que ce tarot... Enfin, de travailler davantage avec ce tarot. Parce que c'est très 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 prometteur. Alors, je poursuis avec le tarot que j'utilise le plus en ce moment. Et ça va pas t'étonner, le tarot que j'utilise le plus en ce moment, c'est le tarot Harry Potter d'Eleanor Piper, parce que le challenge tarot de l'Avent à Poudlard a commencé. Donc tous les jours, je sors mon petit précieux, le tarot Harry Potter de Eleanor Piper, et je me fais mon tirage quotidien, du coup, avec ce tarot, puisque c'est le but du calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard, c'est qu'on fait un tirage quotidien sur une thématique. Cette année, c'est le troisième tome qui est à l'honneur, puisque c'est déjà la troisième saison du challenge. Et donc voilà, c'est évidemment celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Généralement, pendant le challenge, c'est assez rare que je me fasse des tirages en plus, parce que c'est assez lourd hein, déjà de se faire des tirages contextuels comme ça tous les jours en trois cartes. Donc généralement je ressens pas le besoin de faire d'autres tirages, mais ça pourrait m'arriver, hein, un travail de l'ombre d'urgence à faire, pourquoi pas. Mais du coup ça c'est le tarot que j'utilise tout le temps évidemment. C'est devenu mon tarot signature de décembre. Allez hop, c'est une petite gorgée. Je pense que c'est un peu refroidi, oui. Oh la menthe poivrée, c'est la vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi, c'est quoi ton infusion préférée de plantes, vraiment? Moi, c'est ce que je préfère, c'est la menthe poivrée. Généralement, dans les épisodes du taroté, je te parle aussi des tarots qui sont sur ma wishlist. Comment te dire? Je pense que je possède absolument tous les tarots qui étaient sur ma wishlist. Alors, je vais te parler, plutôt que de parler de ça... Je vais te parler du tarot que j'attends, qui est le dernier tarot du coup de cette année 2021. Je pensais pas le commander, mais en fait c'était vraiment très 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 inattendu. Je savais même pas qu'il existait. Et je pense que ça va t'intéresser, donc ouvre les oreilles. Ouvre les yeux et ouvre tes oreilles. La Plume de Poudlard, qui est un site de bénévoles, je pense, qui sont actifs et font vivre l'univers d'Harry Potter à travers leurs articles, etc. Enfin voilà, ce sont des gens qui sont assez actifs sur les réseaux, etc. Ils ont une boutique, et dans leur boutique, il y a un tarot Harry Potter, que je n'avais jamais vu nulle part, qui s'appelle le tarot des sorciers, les arcanes de la magie, un truc du genre. Et donc le tarot, c'est un... Je pense qu'il est basé sur le système Marseille, donc je sais que les mineurs sont pipés. Et il y a un livre explicatif qui est fourni avec... alors je ne sais plus, je vais vérifier pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Je l'ai commandé ce matin, donc c'est assez récent. Je dois avoir reçu un email pour confirmation de commande. C'est une personne qui a écrit et qui a créé ce tarot. Non, je n'ai pas le nom. Attends,
Je vais chercher ailleurs sur... Je vais chercher sur, sur Instagram. J'ai le nom du créateur, du coup. En fait, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Pierre Quentin Bieck, qui avait déjà écrit un livre sur le tarot et l'alchimie, etc. J'ai pas du tout lu. Mais le tarot non officiel de Harry Potter, les arcanes de la magie. Donc, je te montre juste la publication sur Instagram. Tu vois. Donc, il y a un tarot et un livre explicatif. Les deux, tu peux te les procurer pour le prix de 40€. Je trouve que c'est pas du tout exagéré. Et en fait, bah, j'ai commandé ça, donc je l'attends. Du coup, c'est mon dernier tarot de 2021. Et je pense, avec beaucoup de naïveté, mais je te le dis quand même, que ce sera mon dernier tarot avant un moment. J'ai pour objectif en 2022 d'essayer ce qu'on appelle le Depth Year. Alors, ça a fait fureur il y a quelques années, là. Je pense qu'il y a un an ou deux. Qu'est-ce que c'est que le depth year? En fait, c'est une année des profondeurs. Voilà, c'est très compliqué à traduire en français. En gros, l'objectif, c'est de, pendant un moment, de te connecter véritablement avec tout ce que tu possèdes chez toi. Pas seulement les tarots, hein, les bouquins, les vêtements, les objets, la décoration, les jouets de tes enfants, j'en sais rien, tout ce que tu possèdes. Et de véritablement créer une connexion avec eux. Et si la connexion ne se fait pas, de t'en débarrasser. Et du coup, ça limite un petit peu la consommation du coup pendant un certain temps. Et je pense que je vais faire ça avec mes tarots cette année. Alors non pas que je me sens submergée par mes tarots, parce que c'est plus le cas. J'ai été un petit peu dans cette phase-là cet été. Mais là, c'est pas le cas. Je me sens très bien avec mes tarots pour l'instant. Mais j'ai besoin de connecter avec chacun d'entre eux à mon rythme. Du coup, je pense que je vais arrêter de me créer des besoins aussi sur les réseaux. Hein. Quand on est sur les réseaux, sur YouTube, on a forcément des besoins qui s'installent alors que c'est pas forcément le cas au départ. Et je vais prendre le temps de travailler avec mes petits trésors, parce que je t'assure que j'en ai des petits trésors. Et probablement qu'à partir du mois de janvier, je vais apparaître sur la plateforme Twitch. Ça y est, papote et lunaison, suis la vibe et va sur Twitch. Et je te propose justement pendant ces live Twitch de parler tarot, de parler d'un type de tirage, d'un tarot, d'un créateur avec plusieurs de ces tarots. Enfin bref, vraiment de faire des live thématiques comme ça, ça pourrait être super sympa. Et ça me permettra aussi de... L'objectif, c'est pas forcément de faire du tri, même si je sais que ça va découler clairement en un tri. C'est le but hein, aussi cette reconnexion à ce qu'on possède. Mais surtout d'être déjà reconnaissante de ce que je possède et d'avoir un lien avec chacun d'entre eux. Voilà, donc ça c'est l'objectif de 2022. Sera-t-il rempli? Je n'en sais rien. Ça fait un moment que je lis plus rien. En termes de tarot. Pour l'instant, je lis des trucs, je lis des fictions de Noël, voilà, parce que ça me fait plaisir. Je lis des livres d'expansion et de développement personnel, parce que j'adore ça, donc je suis en train de lire Atomic Habits, je suis en train de lire un livre sur une méthodologie pour faire le ménage, enfin bref, des trucs que moi je kiffe, aussi lire sur le côté. Et je lis pas grand chose sur le tarot, donc j'ai pas vraiment de livre à te présenter, j'ai pas de livre tarologique qui a rejoint ma tarotech, enfin ma bibliothèque tarologique dernièrement. Mais par contre j'ai un objet un petit peu insolite qui m'a rejoint. Si tu me suis sur Instagram et si tu suis le challenge tarot de l'avant à Poudlard, tu sais de quoi je veux parler. Mais regarde ce que je me suis commandé pour cet hiver. Oui oui, il s'agit d'une planche de cartomancie. Donc voilà, alors les... quand même grande, hein. C'est grand mais c'est léger, ça va, donc c'est transportable facilement, enfin transportable, déplaçable, mais je vais pas prendre ça dans ma valise, hein, on est d'accord. Voilà une planche de cartomancie, alors c'est réalisé par le laboratoire Dr Jekyll sur Instagram, je te mettrai évidemment ses coordonnées en barre d'infos, et c'est une planche, c'est un modèle de planche en fait qu'il avait en magasin. J'ai juste demandé à ce qu'il modifie la taille des cartes pour que ça corresponde aux plus grandes cartes que je possède en fait dans ma cartothèque, à savoir les cartes du Dark Mansion Tarot, édition large, donc ça correspond à cette taille là. Et puis j'ai demandé de rajouter ce dessin qui est un dessin très très important pour moi,
et que je lui ai demandé de rajouter ici. Donc voilà, est-ce que tu as vu ça? Alors j'adore, parce que le tirage en trois cartes contextuelles, tu sais que c'est mon tirage favori, hein. C'est le tirage que j'aime faire par-dessus tout. Je suis en train d'ailleurs de te préparer une formation au tirage contextuel qui va sortir courant du mois de décembre. Je suis très 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 impatiente de te proposer ça. Et du coup, avoir cette planche là, ça rajoute un côté sacré à mes tirages. Mais genre, tu sais, t'as ta petite planche devant toi, ça rajoute un côté... comment dire, sensitif, je sais pas trop comment dire, ouais, ça rajoute une sensation différente, vraiment au niveau du sens physique, du toucher, de faire ton tirage sur une planche de bois comme ça, j'adore. Donc son travail est très soigné, l'envoi était super rapide, et je lui ai demandé si c'était possible, alors que je lui ai fait une commande super tard, de me l'envoyer avant le 1er décembre. Elle a été hyper gentil, enfin franchement le contact s'est super bien passé, donc je recommande son travail évidemment, et enfin bref, moi je suis aux anges depuis que j'ai cette petite planche là. Oh, j'adore. Et je termine ce taroté avec la question de l'audience, d'accord. Je te demande souvent de me poser des questions quelques jours avant que je tourne le taroté. Bon là je t'ai posé la boîte à questions il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, j'ai un peu traîné à faire cette vidéo, mais on m'a posé la question suivante, qui était très intéressante selon moi, qui est comment combines-tu les oracles et les tarots au sein de tes tirages? Alors si tu le sais, tu sais que je suis une tarot girl, hein, voilà, c'est ma came, c'est le tarot, les oracles j'en possède évidemment, mais c'est pas mon outil de prédilection. Cela dit, j'aime bien les utiliser quand même de temps en temps, et je les utilise de 3 façons différentes. C'est très 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 rare que j'utilise une carte d'oracle seule. Je peux me faire un tirage de tarot avec que le tarot, d'ailleurs c'est ce que je fais quasiment tout le temps, mais je me fais rarement, voire jamais, de tirage uniquement avec des cartes d'oracle. Ça j'y arrive pas. J'ai besoin de tarot dans mes tirages. Mais par contre, je trouve que les oracles viennent parfois combiner et compléter le message d'une manière extrêmement intéressante. Alors, quand je parle d'oracle, j'en ai quelques-uns. Il y a des jeux qui sont très... Par exemple, comme le Symbolon. Attends, je vais te les chercher quand même. Donc, je te parlais du Symbolon. Voilà, ça c'est mon exemplaire tout pété du Symbolon parce que je l'avais acheté d'occasion. Le Symbolon, c'est un oracle super intéressant parce qu'il a quand même des illustrations qui sont assez proches du tarot. Enfin, dans le même style, donc c'est très 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 riche comme illustration. Si tu suis Yena de Soul Shadow, tu dois connaître Pedro, donc c'est son exemplaire du Symbolon qui s'appelle Pedro. Ben voilà, c'est un jeu qui est très très riche au niveau de l'imagerie et qui lui par contre pourrait, je pense, être utilisé seul en fait. Alors moi je comprends pas, je me suis pas attardée sur la compréhension du système en tant que tel, du Symbolon. Je sais qu'il est, c'est un oracle astrologique, hein, mais j'aime beaucoup en fait ce jeu là. Donc ça c'est un premier type d'oracle que j'ai. Ensuite j'ai des oracles, bah, par exemple, là je t'en ai sorti un autre, c'est le Vaisselle de Mary Elizabeth Evans. Désolée, j'ai envie de tousser tout le temps. Donc le voilà, le Vaisselle Oracle, qui est un oracle beaucoup plus naïf, qui est un oracle du coup avec une illustration et un mot. Donc j'aime beaucoup aussi ce type d'oracle, tu vois, donc une illustration et un petit mot. Donc là par exemple, t'as move on, alors c'est en anglais évidemment, mais connect, forgive, birth, fear, power, choice, bon voilà. Donc ça c'est un exemple, et j'en ai un autre à te montrer dans la même veine. C'est pas le même type de design, mais par exemple l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, c'est pareil, c'est une grande carte. Voilà, une grande carte, bah voilà, ça c'est celle que j'avais tirée la dernière fois, donc je pense que j'ai pas remélangé mon jeu depuis, je t'en montre une autre. Avec une illustration et un mot. Donc là, on a deux mots. La cristallomancie qui reflète l'intuition, par exemple. La momie, le changement. On a l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. Bref, ça, c'est des petits oracles à message.
Et alors, j'ai trois façons de les utiliser. Donc la première, c'est en complément du tarot. Et je peux complémenter le tarot de deux façons. Donc, la première manière, c'est que je vais, par exemple, me faire un tirage. Et pour chaque carte de tarot, je vais rajouter une carte d'oracle. Parce que je trouve que ça vient préciser le message. Ou alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me tirer, par exemple, si je me fais un tirage en trois cartes, je vais tirer deux cartes de tarot et puis au centre, une carte d'oracle, par exemple. Ça, c'est une façon aussi que j'ai de faire. Donc, combiner tarot et oracle au sein d'un même tirage, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, pour moi, la meilleure façon d'utiliser un oracle, surtout un oracle comme celui de Stacy DeMarco, et du vaisselle, quand il y a des mots clés comme ça, ou des concepts clés, c'est par exemple, je sais pas, on va prendre la joie, voilà. Donc il y a la carte de la joie, magnifique carte, très automnale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette carte-là en position centrale devant moi et que je vais tirer trois cartes juste en dessous de tarot. Et ces trois cartes vont m'apporter une réflexion sur le concept dépeint par la carte de la joie, par exemple. Ça peut être plein de trucs, hein, si c'est le mot, je sais pas moi, les talents cachés. Ça peut être super intéressant. Ça, c'est la carte des talents cachés. On tire trois cartes de tarot en dessous et ça nous propose vraiment... Alors, du coup, là, je fonctionne en tirage contextuel, c'est-à-dire je tire trois cartes libres et alors je laisse les cartes parler, avoir une conversation avec moi. Et c'est super intéressant de faire ça comme ça. Donc, les oracles, en fait, c'est pas des outils indispensables pour moi. Pour moi, l'outil indispensable, c'est le tarot. Mais j'aime bien, parfois, m'amuser aussi avec ce type d'outils parce que je trouve que ça complète bien l'énergie en fait du tarot. Et puis il y a certains oracles, je suis pas contre les oracles, absolument pas du tout, hein. J'adore ces outils là, mais c'est vrai que les utiliser seuls, je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais faire. Peut-être avec ce genre d'oracle là, comme je te disais, parce qu'il est beaucoup plus proche de finalement de ce qu'on pourrait trouver dans un tarot, mais voilà du coup comment j'utilise les oracles en combinaison avec le tarot. Je peux aussi utiliser les oracles seuls, c'est vrai, si je veux faire un pathworking et que l'oracle, typiquement avec l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, je trouve que les illustrations sont très... je vais te montrer. Il y a certaines illustrations qui sont très immersives et donc je peux faire de la méditation avec certaines cartes d'oracle. Par exemple, si je te montre cette illustration-là que j'adore dans cet oracle-là, là. Rien que la lampe, par exemple, avec le souvenir, tu vois, c'est une fenêtre. Moi, je peux clairement aller voir ce qui se passe dans cette maison, en méditation. Parce que l'illustration me parle beaucoup. Ça ne va pas être le cas de toutes les illustrations. Par exemple, celle-là va moins me parler en pathworking, par exemple. Même si elle est très belle, hein, mais elle va moins me parler en pathworking. Mais donc voilà, ça, c'est aussi une utilisation que je fais de la carte oracle. Mais sans forcément la combiner avec le tarot pour le coup. Mais voilà, en règle générale, oh celle-là j'adore cette carte, c'est tellement cute. Mais généralement voilà comment j'utilise les cartes oracle en lien avec le tarot. C'est très simple, hein, c'est pas une utilisation très originale, donc je suis pas sûre que ça vous ait appris grand chose, mais voilà, on m'a posé la question, moi j'y réponds. Bon ben voilà, c'en est tout pour cet épisode du taroté. Je vous ai parlé de mon dernier tarot acheté, de celui qui va arriver, de celui que j'utilise tout le temps. Je vous ai pas parlé de livres parce qu'il n'y en a pas. Je vous ai parlé d'une question qu'on m'a posée. Je vous ai présenté mon nouveau joujou adoré du moment. Et puis voilà, je vous retrouve en hiver, en fin d'hiver, pour vous parler du prochain épisode du taroté, n'est-ce pas? Allez, salut!